لزمان غناية وش طحت على تفوفها طحت على تفوفها بانت في الوجود مرايا مثل حف بحروفها On respire la liberté. Carthage était faite, était construite par une femme, c'était Alice. Donc Alissa, donc c'est une Libanaise, donc c'est pour cette raison on dit non, nous sommes, nous avons des origines libanaises. Donc Carthage a été faite, été construite par une femme. Donc c'est pour cette raison on n'a pas, c'est-à-dire on perçoit l'importance de la femme dans la société tunisienne. Pour la femme battue, la femme maltraitée. Voilà. On a fait beaucoup de participation et j'ai plaidoyé beaucoup de femmes qui ont des situations pareilles pour les soutenir et pour c'était un travail bénévole et qui était marquant. Soutenir même matériellement, avoir une plaidoirie, c'est-à-dire bénévole, avoir un avocat auprès d'elle qui peut la soutenir, qui peut préserver ses droits. Donc c'était un travail très significant pour certaines femmes, bien sûr. C'est-à-dire, elle est là pour préserver ses droits et demander plus. Même les femmes qui sont à la NADA, elles ne sont pas prêtes à perdre ses acquis. Un Tunisien qui est pratiquant et qui peut en avoir en quelque temps un verre. Donc c'est très normal pour un Tunisien. Ça. Bon, nous sommes des pratiquants, nous sommes des Tunisiens musulmans, donc on n'a pas des contraintes dans nos vies. On veut vivre, on veut s'amuser, on veut... c'est-à-dire la famille est très importante pour le Tunisien. La famille, sa famille est très importante. Donc la Tunisienne et le Tunisien donnent beaucoup d'importance à leurs enfants et à leur famille. Comment ça se passe là? Comment vous arrivez à mener à la fois un travail de fond, un travail important, puis la vie de mère, la vie professionnelle, la vie affective, etc. Comment faites-vous? Je vais avouer, je suis une tricheuse parce que je recopie ce qu'a fait. C'est enregistré, hein? Oui, oui. Bon, je l'avoue publiquement, je triche parce que je recopie ce qu'a fait ma mère, ce qu'a fait ma grand-mère et ce que font toutes les femmes tunisiennes. Et là, je parle surtout, j'ai un petit salut surtout pour la femme tunisienne. Oui. Donc, à faire élever leurs enfants avec peu de moyens, avec même une infrastructure pratiquement, disons, absente. Oui. Donc imaginez un peu, elles voient leurs enfants quitter la maison à 5h du matin pour les voir rentrer à 21h, à 20h. Donc voilà, et tout ce qui en suit. Moi j'ai toujours eu une idée, toutes les femmes tunisiennes ont le choix de dire non ou de dire oui. Donc c'est ainsi que j'ai grandi. Donc je voyais ma grand-mère prendre ses décisions toute seule. Bon, on n'a pas eu vraiment le modèle matriarcal, c'est toujours quand même le papa qui est l'homme de la famille, donc, et aussi mon grand-père. Mais c'est que la marge de liberté accordée, et je dis bien accordée, hein, parce que tout dépendait avant de l'homme, donc on leur accordait une grande marge de décision. Et là, il y a aussi la personnalité qui intervient. Les femmes tunisiennes sont de grands diplomates. Donc on a la bonne recette pour mater les hommes machos. Voilà, alors... Je peux parler d'une femme qui est inconnue à tout le monde, et moi-même je me rappelle à peu près de ses traits. C'est une femme paysanne très pauvre qui a ramené sa fille pour faire ses études universitaires à Tunis. Et elle est venue me voir dans mon bureau, et cette femme me marque jusqu'à présent.
elle ne possédait avant qu'une vache. Elle avait une seule vache. Elle l'a vendue pour que sa fille puisse venir à Tunis et faire ses études. C'était très émouvant de savoir que cette femme a vendu tout ce qu'elle possédait. C'était sa vache. Et là, les femmes du peuple, tu vois, donc, c'est elles qui nous marquent toujours. Et c'est elles qui ont fait, tout comme les coquelicots, c'est elles qui ont fait la révolution. C'est elles qui se sont imposées avec leur splendeur. Et... نسمة والورد محاذيني الأغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. J'aime beaucoup la culture et la philosophie qui admire la vie et qui provoque la vie et qui adore la vie. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amitié, la vie c'est mes enfants, la vie c'est le monde, la vie c'est la beauté, la vie c'est l'esprit. Comment vous faites-vous pour gérer tous les hommes, entre le papa, les amis, etc. En fait, il faut pas trop contredire les hommes, il faut y aller étape par étape. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais du design. Après, je vais. Sur ordinateur ou sur. Non, comment... Voilà, c'est sur l'ordinateur. Enfin, les supports, c'est pas ça le. En fait, après, je vais me spécialiser. Votre mère, elle a l'œil quand même. Hein. Vous parlez quand même, elle vous fait travailler. Etc. Ouais, voilà. En fait, elle en profite. les islamistes, les salafistes. Voilà, c'est mieux. Ils sont venus, ils ont écrit sur le mur de la fac. Je vais le dire en arabe et après je traduirai. Sanantakimun kum ayouha al-kuffar. Donc ça veut dire on va se venger de vous, espèce de mécréants. Ouais, c'est la connerie habituelle des intégristes. Voilà. Et après une semaine, on va dire le jeudi dernier, on a fait une manifestation, un genre de manifestation. Et c'était purement artistique, on a fait des tableaux, des caricatures. L'intéressant, c'est le nom. En fait, kofar, ça veut dire mécréant. Oui. En tunisien, c'est kofar, enfin kofar. En arabe, kofar. Alors nous, on a fait la manifestation, le nom de la manifestation était kof art. Ah oui, d'accord. Donc kof, c'est stop, art, c'est artistique. Voilà. Donc, foutez-nous la paix, on est des artistes, on n'a rien à voir avec la religion, voilà. Parce que, en fait, maintenant, en Tunisie, c'est devenu ça. C'est devenu croyant, mais créant. On n'arrive pas, en fait, à assimiler le fait qu'il y a une bonne partie de la Tunisie qui n'est pas religieuse. On ne va pas dire musulmane ou chrétienne. Pratiquante. Ils croient en Dieu, en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, voilà, donc tu sais, c'est pas ça. Donc, il y a cette partie-là. Mais il y a aussi l'autre partie qui, en fait, je fous ce que je veux, moi. Je fais tout ce que je veux avec mes cheveux, voilà. Vous êtes sur Facebook ? Sur Facebook, des recherches avec les politiciens. Vous voyez forcé par, pour cause de travestie, c'est ça ? Vous votez ? C'est... Ah, c'est bon, oui. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Ça doit être bon. Rebelle. Oui, c'est une fille rebelle. C'est une fille rebelle. Oui. Comme sa maman ? Non, moi je n'ai jamais été rebelle. Oh là là, oh là là. Alors là, moi j'étais pas présente. Telle mère. Mais ma mère, elle avait pris des coups de la police parce qu'elle avait le voile. Oui, vous étiez voilée alors. Vous avez été voilée. Oui. Et comment ça s'est passé ? C'était quand ? C'était en 76. C'est quand c'était interdit ? Oui, voilà. Non, c'était très interdit. C'était avec. J'étais au lycée, j'étais à l'école des institutrices. À l'école des institutrices, on est seulement des jeunes filles, il n'y a pas de garçons. Ça, c'était moi. Donc, je me trouvais dans ça, et je faisais mes prières et tout. Et j'allais un peu partout dans les mosquées à Naples, ici à Tunis, pour assister dans quelques réunions. Et puis un jour, ils insultaient le gouvernement, Bourguiba et tout ça. Et moi, j'ai dit, il y a dans le Coran un verset qui disait que les mosquées sont pour Dieu,
faut pas appeler quelqu'un d'autre sauf Dieu dans, dans ce lieu. Et lorsque j'ai dit ça, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes avec nous ou avec... Ou contre nous. Et ils ont commencé, c'est-à-dire ça... C'est dans le courant, ça. Oui, ça j'ai compris, mais ça se passait où? Qui est-ce qui vous a dit ça? Vous êtes avec nous? C'était un groupe des frères musulmans qui donnaient les leçons et tout ça. Et j'ai quitté depuis. Ici, on a encore ce sentiment de ce que l'on doit au maître. Et vous, vous avez quelque chose de très très fort par rapport à votre maître de chant. Il faut qu'il y ait dans tous les domaines des maîtres. Oui. Il faut savoir garder les valeurs et respecter les valeurs. Et les maîtres resteront toujours les maîtres. Et on a besoin de maîtres là. C'est ça. Donc je pense, on a besoin de maîtres, mais de vrais maîtres. J'ai connu ce grand monsieur, ce grand maître. Déjà, moi, je ne me rendais pas compte de son charisme. Et je ne faisais pas attention à ses remarques au départ. Oui, un cheval qui veut sauter, il veut chanter, il veut atteindre les notes les plus hautes. Et lui, il a compris qu'il s'agissait d'une performance et d'un petit talent qui peut devenir. Et moi, j'ai toujours refusé d'écouter. Je faisais toujours. Mais je gardais une petite... c'est-à-dire, je gardais, disons, 20% de ce qu'il me disait, mais je le cachais intérieurement. Et je commençais, mais bien sûr, avec ma personnalité, je voulais lui dire qu'il avait raison, mais je lui disais pas, mais je faisais le gentil. Comment s'appelait-il, votre maître? Ali Seriti. C'est extrêmement paradoxal, parce que les plus grands interprètes, les plus grands créateurs, ce sont que ceux qui ont respecté le maître en étant rebelles. Est-ce qu'il y a un moment où il vous a dit... Il ne m'a jamais félicité. Ah oui. C'est-à-dire, ça me tuait. Ouais. Parce que et ça vous obligeait d'aller plus loin. Oui, bien c'est sûr. Ça, ouais. Mais après, j'ai compris que c'était la politique. Il est le maître, je ne peux pas te dire. Mais pour être honnête, la fin de ses jours, il était très proche de moi. Il m'a toujours félicité. Il m'a dit, notre fille, je respecte ton courage, et je respecte ton défi, et tu crois en ce que tu fais. Et tout ça, me rend la tâche plus difficile. C'est une responsabilité, indépendamment de ce que vous êtes, indépendamment de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous même si vous êtes ce que vous êtes, mais moi, je dois, c'est la vie, c'est l'amour, c'est aimer à l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Oui. C'est notre prophète qui dit « Habba li nafsi kama tuhabbu li ghayr, habba li ghayr kama tuhabbu li nafsak ». C'est l'amour, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Fais à l'autre ce qu'il voudrait qu'il te fasse. C'est oui. Fais à l'autre, donne à l'autre, ou la aime pour les autres ce que vous aimez pour vous-même, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez avoir. Que dans votre jeunesse, vous avez senti Dieu, quelque chose de mystique, ou après, quand vous avez chanté. J'ai vécu dans. Et presque tous les Tunisiens. Dans chaque ville, il y a le quartier populaire, il y a le quartier arabe, on dit. On a tous vécu dans les mêmes conditions, dans le Kouteb, l'école de Coran, dans le champ pour la circoncision, pour le.
l'anniversaire de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et dont les marabouts, le chant, le nouba, la hadra, on est là, on est des gens qui d'amour et d'âme et de spiritualité. Je fais des concerts dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose de particulier dont vous vous souvenez, ou un concert au Quds? Al-Quds. Jérusalem, c'est Palestine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour qu'on puisse resituer. Voilà. Dans un patelin de je ne sais pas combien de temps, trois religions séparées par trois murs. Et qu'est-ce que vous avez chanté, vous vous rappelez? Soufi. Soufi, c'est ça? Bien sûr, j'ai fait un gala soufi. C'était un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. C'était dans les souks. Oui. Le concert était dans les souks. Et puis, vous visitez l'église, vous trouvez des gens qui pleurent. Sincèrement. Et de l'autre côté, Hayat al-Buraq, les juifs qui pleurent. Et de l'autre côté aussi, les musulmans qui pleurent. Oui. Qui prient, qui pleurent. Et c'est le même cœur, en fait. La mystique, c'est ce qui unit. Donc, chaque fois qu'on est dans ce qui exclut, on est dans le diable. On n'est pas dans le Dieu. Concrètement, voilà, c'est ce qui exclut au lieu de ce qui réunit. Et en fait, c'est pour ça que l'art sauvera le monde, peut-être, parce que... C'est ce que je crois. Je crois que c'est l'art qui peut unifier le monde et qui peut donner aussi la possibilité au peuple de communiquer, de se comprendre, de dialoguer, de planer dans... et vivre des moments... spirituel extraordinaire. Moi, bon, vous êtes dans mon bureau, mais chez moi, j'ai collé un morceau de marbre 2 mètres sur 1 mètre où j'ai gravé en arabe Hakaya Farga, 3 points de suspension Hakaya Farga. Une histoire vide. Une histoire vide. Ouais. Tu veux avoir, et tu marches sur les cadavres des gens, et tu veux ramasser de l'argent, tu as une voiture, tu veux une autre plus belle, 3, 4, 5, des châteaux, de l'argent, et des milliards, et des milliards, et tu vas finir... Tu es venu nu dans ce monde, tu partiras nu, tu ne porteras rien du tout. J'ai essayé de mettre les éléments qui expriment le mysticisme à la tunisienne. Il faut dire qu'en Tunisie, on n'a pas vraiment un mysticisme, on a plutôt un chant rituel. Hein. D'accord. Mais l'origine est mystique, évidemment. Mystique, c'est-à-dire soufi ou... Soufi, oui, allez, tout à fait. Voilà. Soufi, c'est parce qu'à un moment de l'histoire de la Tunisie, il y a eu les Fatimides, donc il y a eu la présence chiite. Pour exprimer quelque chose, il faut que dans l'œuvre, les éléments constitutifs de l'œuvre rappellent les éléments extra-musicaux qui ont amené cette chose. Oui. Donc les éléments extra-musicaux, évidemment, sont d'ordre économique, d'ordre social, politique et autres, mais toutes concentrées sur une partie de la Tunisie, qu'on appelle donc communément la Tunisie oubliée. Et donc, dans cette partie de la Tunisie, il y a des rythmes, il y a des modes qui leur sont propres ou qu'ils utilisent. Ils sont très complexes, les rythmes. C'est pas oui, parce qu'il y a une sorte de polyrythmie, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes superposés. C'est ça. Donc, ça fait que c'est un peu le principe de l'hétérophonie ou de la polyphonie, mais là, c'est au niveau rythmique. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à composer donc, cette musique Thawra. Et cette chanson a pris différentes tournures. Au début, j'ai pensé à quelque chose de plus classique, dans un genre qu'on appelle le fondo. Le fondo, c'est-à-dire une chanson du terroir. Alors, la chanson révolutionnaire s'appelle Thawra, c'est-à-dire la révolution. C'est simple. Voilà, Thawra, Thawra. Thawra. Ah, ouais. Al-Thawra. J'ai besoin de prendre des cours. Bon, la chanson... C'est-à-dire la révolution. Oui, la révolution. Et donc, j'ai fait exprès de choisir une jeune, parce que la révolution a été faite par les jeunes, et que la femme soit mise en exergue, parce que
la femme a joué un rôle très important dans la Révolution. La chorale est essentiellement masculine et la soliste est une femme. C'est le poète avec les instruments de musique. D'accord. En fait, moi, je cherche la musicalité dans sa poésie et lui, il cherche la poésie dans ma musique. Exactement ça. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Proche l'un de l'autre. Plutôt. Il y a de l'effervescence. C'est au niveau ça, des pensées, au niveau de la volonté de créer quelque chose et d'étoffer aussi le répertoire musical tunisien. Ça aussi, c'est une responsabilité, je pense, pour nous. En tout cas, tant qu'on est capable de créer, de faire de la musique, de faire de la poésie, et surtout de faire profiter des jeunes, des musiciens, des interprètes, parce qu'il y a un potentiel de jeunes, un potentiel terrible en Tunisie, malheureusement énorme, et qu'on ne sait pas exploiter parce qu'on ne sait pas se vendre. C'est de votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois? C'était le regard, les mots. Comment vous êtes rencontrés la première fois? Moi, a été un peu difficile. Très difficile. Très difficile. Oui. On dirait que j'ai frappé le bouton armé et j'ai retourné. Il a buté contre un mur. Oui. C'était vous le mur? Bah oui. Oui, vraiment, était très dur et était comme ça parce qu'il a des étudiants et ainsi de suite. Mais comment je me présente comme, comme poète, c'est pas étudiant, c'est un étudiant. Voilà. Et le point de déclenchement, c'est-à-dire que là vous étiez le mur et après vous avez lu ce poème. C'est la poésie. C'est quand j'ai vu le travail parce que bon. On se voit, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas vraiment, on se connaît de nom comme ça. Ouais. Et c'est le hasard qui a bien fait les choses. Il n'y a pas une phrase qui vous vient à l'esprit quand vous l'avez rencontré? Non, une phrase de son poème. Naouf m'a dit, on n'a pas des grands poèmes, des grands poètes ici en Tunisie, malheureusement. À l'heure actuelle, je parlais de l'heure actuelle. Oui. Je lui ai dit, je ne suis pas un grand poète, mais je suis le grand poète en Tunisie. Maman m'a regardé comme ça, oui, je lui ai dit, oui, je suis le grand poète ici en Tunisie, avec un narcissisme, parce que j'ai trouvé un homme très dur. J'ai... Et un jugement. M'a dit, bon, montre-moi votre poème. J'ai lancé le premier poème. وسط منامي نبتت ورده ملامح مش غريب عليا زعما انا حلمت بورده ولا الورده حلمت بيا en français dans mon rêve j'ai vu une fleur une rose cette rose me ressemble et je ne sais pas que je suis que j'ai rêvé de cette rose ou cette rose m'a rêvé de moi ou c'est la rose qui est arrivée de moi. سأغرس روحي في ميسم أغنية وأقول لها انطلقي في رحم الأشياء سأحبك حبا يستسقي بعينيك الماء. غنيت للزمان غناية واجتحت على دفوفة بانت في الوجود مرايا مثل حف بحروفة وسمعت السماك تسبح بين سطور كفوفها بيناتنا الصخر والمية ورواسي من خوفها ابعد يا جبل شوية خلي العين تشوفها
وافتح يا بحر ثنية خلي عنك طيفها أنا في الشتاء متكدر هي مصيف صيفة خايف للبحر يتغير ومخبوف من الخوف وضيع لو قلبي سما بين المعاني وسرها وبين الثواني ومرها كل الثواني كي تغيبي حاقدة ومتعاقدة الوقت واقف والدقايق راقدة يمر الزمن مبطاه لما تبعدي اللحظة أبد والثانية 2000 عام وعام موتي يهدني ويمدني بالروح لما تخطري بالبال لحظة وتختفي ونموت مرة ثانية شعرك طيور وشاعرك يكتب سطور مشاعرك رغم اللظى والهاجرة وجرح الكنين وهاجرة شعري مواسم للقى وشعرك طيور مهاجرة La différence entre deux êtres, mais à l'intérieur nous sommes deux humains, c'est la même chose, la même âme. C'est l'unité. Ah oui, c'est l'unité. Ce lieu-là ramène l'unité. Ah oui, hein, c'est l'essence de l'unité. C'est. Oui. Même c'est quoi? C'est l'alphabet, mais l'alphabet qui peut tenir et donner les choses de l'esprit. Mm. Quelque chose qui consent, mais quelque part on ne comprend pas, mais c'est à l'intérieur. Il y a beaucoup d'amour dans les alphabets, dans la langue elle-même, c'est ce que j'appelle l'esprit de la langue. Et donc, lorsque nous sommes deux amis, donc on échange cet amour à travers la poésie. Et c'est humain, c'est international, c'est oui. pas seulement... Mais ça, c'est ce qu'on ressent. Ah ouais. Oui, ça se voit, oui. On le sent... Alors, l'alphabet, c'est un alphabet commun? C'est-à-dire, c'est un retour comme quelque chose que vous partagez? Ah oui? Oui, oui, oui. C'est aussi... la poésie ressemble quand on parle à propos d'une femme. Mais c'est pas une femme, c'est la vérité. Enfin, c'est pas la femme, c'est la vérité, c'est l'univers. Ah oui, c'est plus ou moins que la femme elle-même. Et vous aussi, ce lieu est très important pour vous. Ah oui, c'est très important, c'est sacré ce lieu-là. Vous retrouvez parfois, pourquoi est-il sacré? Oui, mais il y a de l'histoire ici. Oui. Il y a le soufisme islamique, il y a beaucoup de poètes, beaucoup un homme saint ici, c'était un homme de Dieu, comme on dit en arabe. Et il y a beaucoup de... Comment s'appelle-t-il? Abul Hassan al-Fiadli. Oui. C'est un homme très généreux, il avait son chemin vers le Dieu, il était ouvert à l'amour de Dieu et il était aussi un poète, un grand poète, un philosophe aussi. Le soufisme, c'est s'unir avec Dieu, avec les autres, par l'amour éternel. Oui. Le soufisme est uniquement amour. Ah oui, jamais, non. Voilà. L'amour, oui. C'est le contraire de l'exclusion, le contraire de la différence, etc. Bien sûr, mais c'est pour ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. C'est l'amour entre les personnes et l'amour entre aussi les hommes et les personnes et les choses. Par exemple, on aime cette mur, on sent que cette mur nous donne des énergies. C'est vital. Il y a une certaine communication avec les objets. C'est la communication aussi. Voilà, c'est la communication avec les objets. Même avec la matière. Avec les plantes, avec les animaux, avec tout. L'imprégnation. Ah oui, le soufisme, ça parle de la communication. Ouais. Voilà. De communiquer avec tous les êtres que Dieu a créés. Voilà. Comme le Seigneur de Turquie. Vous avez voté Nada aussi comme hein? Vous avez voté Nada comme vous? Non, j'aime tout. Ouais. Qui travaille correct, on aime tout. Qui? Et lui, il n'aime pas Nada, lui, parce qu'il ne fait pas la prière. Lafayette, au fait, c'est le centre du Tunis, c'est le centre culturel. Ici, il y a plusieurs communautés qui sont passées, les Maltais, les Juifs tunisiens, les Français. Donc tout le monde, il y a une ambiance, tout est entrecoupé, les cultures se croisent, vivent ensemble. Il y a des gens, il y a une mosaïque de personnes. Et donc, c'est le cœur du Tunis. L'évolution, moi j'ai assisté à toutes les étapes. À la Casbah 1, les sittings de la Casbah 1, de la Casbah 2, toutes les violences qui ont été exercées contre ces gens-là, les témoignages dans la rue, donc moi j'allais avec ma petite caméra, tu vois ça, et j'allais voir les gens, et je les interviewais, tu vois ça, et ils me disaient, et les gens me parlaient de cœur, même les policiers qui étaient là, qui subissaient des ordres de leur hiérarchie, qui demandaient des excuses au peuple tunisien, je les ai avec leur nom, prénom. Parce qu'il faut dire que les gens avaient peur, c'est-à-dire qu'il y avait la police. La forme.
d'un régime politique avec un président civil ou militaire dictateur, assis sur un appareil de répression avec une élite économique complice ou pas, ça c'est fini, ça c'est le 20e siècle. Nous on passe au 21e siècle avec des gens, de gens qui ont subi la répression et donc ils ont beaucoup d'espoir pour aller vers l'avant. La NADA c'est un choix politique. Et NADA c'est un parti de l'islam. Alors quelle est ta vision de l'islam, ton islam, hein? Comment tu sens l'islam? Dans ton corps, dans ta vie. Voilà. Moi, on dit souvent qu'il y a un islam de Tunisie, mais en fait, il n'y a pas un islam de Tunisie. Donc l'islam, c'est des valeurs universelles. Quand on les comprend dans le sens positif du terme, c'est la modernité, c'est l'émancipation de la femme, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'entreprendre, c'est une justice sociale, c'est une justice économique, c'est tout ça. Voilà. Et donc, c'est la solidarité entre toutes les tranches sociales du peuple. Donc, c'est une culture distingué, on peut pas, on est assis sur un héritage culturel qui date de milliers d'années. On n'a pas le droit de trahir les générations futures. J'ai voté NADA pour la simple raison. Un, j'ai plus envie d'un président dictateur. Donc c'est un régime parlementaire avec ses inconvénients et ses aspects positifs. Déjà, d'une. Je voudrais qu'un président, quand il fait son travail, le soir il rentre chez lui, il ne reste pas au palais présidentiel. Donc, comme tout Tunisien. Donc, ça est d'une. Secondo, le programme de NADA, c'est un programme politique. Donc, moi, je rassure, de mon point de vue, je rassure tout le monde là-dessus. Des gens qui ont souffert, qui ont été en prison pour leur liberté, que leur famille a été émiettée. Donc ils ont subi durant 30 ans de répression. Il y a 30 000 personnes, ou entre 30 et 50 000 personnes qui ont été fichées, maltraitées, privées de leur éducation, de leur enseignement, de leurs droits et tout. Ces gens-là aujourd'hui arrivent au pouvoir, et ça, c'est des gens démocrates qui ont été en Occident, qui ont été en Angleterre, qui ont été en France, qui ont été aux États-Unis, au Canada, qui ont été partout dans le monde, tout ça et tout. C'est des gens qui sont des émancipateurs. Quelque part sur cette terre-là, des hommes et des femmes peuvent se lever et dire non à l'hégémonie, non à la dictature, pour l'autodétermination, pour une démocratie directe. Et ces gens-là doivent être écoutés et ils peuvent eux-mêmes produire les outils de l'application de cette démocratie. Parce que votre père était le rabbin de la Goulette. Oui, il était le rabbin de la Goulette jusqu'en 56. Moi, le souvenir que j'ai de mon père, ce sont ses bénédictions, que ce soit qu'il portait à ses enfants. Ouais, vous sentez toujours béni par votre père? Toujours, toujours, toujours. Il est toujours là. Mon père est décédé en 64 et j'ai l'impression qu'il était avec moi hier. Il y a une journaliste qui a écrit un bouquin, Mes trois kiffs du jour. Ouais. En fait, moi, je le fais toujours. Ah, quand je me lève le matin, il faut que je fasse mes trois kiffs journaliers. Super, ouais. Alors mon premier kiff, déjà, c'est aller voir la mer. Donc tous les matins, je passe par la mer. Qu'elle soit agitée, qu'elle soit calme, qu'elle soit d'un bleu profond, qu'elle soit d'un bleu... ça, c'est mon premier kiff. Mon deuxième kiff, c'est de voir les gens sourire, c'est-à-dire que... Ici, par rapport à l'Europe, les gens disent bonjour, même s'ils ne vous connaissent pas. Et bienvenue. Et bienvenue, bienvenue, oui, bien sûr. C'est très beau ce mot, hein, bienvenue. Tout à fait. Et mon troisième kiff, je remercie Dieu pour ça, c'est que j'ai la force de travailler et c'est d'aller à mon travail. Ça, c'est mon troisième kiff. Voilà mes trois kiffs du jour. J'ai des souvenirs depuis l'âge de 2 ans. Donc, on a quitté la Tunisie, mon père a quitté la Tunisie en 56. Et les 4 années dont je me souviens, c'était merveilleux, quoi. C'était la plage, c'était les cousins, les cousines, la famille, fête tout le temps. Oui, grande famille, je suis issu d'une famille de 9 enfants. On participait aux fêtes musulmanes. Les musulmans tunisiens participaient à nos fêtes. C'est ça. Et on était très proches, frères, cousins. Il y avait beaucoup plus de calèches que de voitures. Ah oui. Et on s'accrochait derrière les calèches et bon, on se prenait une fessée quand on rentrait. Mais
Ça, c'était merveilleux, l'odeur de crottin de cheval qui n'existe plus aujourd'hui dans les rues de la Goulette. Ouais. Ah, c'était toujours ma mère qui cuisinait. Ouais. Ah, c'était magnifique, toujours des grandes tables, toutes simples. Hein. Ouais, c'était ouais. C'est des menus tout simples, pommes de terre, viande, des couscous, les couscous du samedi, etc. Pour moi, j'en ai encore une émotion cette nourriture. Mais on a eu ces grandes tables aussi en France, quand nous sommes venus en France. Donc vous êtes parti en 56. Oui. Et après, mais parce qu'on sent tellement des racines tunisiennes chez vous aussi. Ah oui, mais c'est pour ça que je suis revenu. Ah oui, mon père est tunisien, mon grand-père est tunisien, mon arrière-grand-père est tunisien. Nous sommes tunisiens sur des générations. Voilà. Et je me sens tunisien. Voilà. J'ai quitté la Tunisie en 56, j'avais 6 ans. Je suis revenu pour la première fois en 84. Et quand nous sommes arrivés à la Goulette, j'ai dit, tiens, le cinéma, maman, il est là. La gare du TGV, elle est là. La synagogue de papa est là, etc. Et je reconnaissais tout. Et là, ma mère recherchait son ancienne femme de ménage, qu'on a retrouvée, qui se rappelait d'elle tout de suite. Elle lui a dit, toi, t'es la femme du rabbin, et toi, t'es Gérard. Là, une image, là, on a une image de la Goulette. Moi, j'ai l'impression d'y être et... Et alors, à Paris, rue de la Marne, qu'est-ce que la première image, la rupture Non, cours élémentaire deuxième année, qui m'a traité de sale juif, en classe. Sale juif, retourne dans ton pays. Alors je lui ai rétorqué, sale je ne suis pas, mon père nous envoie aux douches municipales 3 fois par semaine. Juif je le suis, j'aimerais bien retourner dans mon pays parce que là-bas il fait chaud. Et là j'ai pris une tarte. Et ça, c'est des sources, c'est-à-dire que la source, la Goulette. Tout à fait. La source, peut-être quelque chose dans une synagogue à Paris avec votre père, etc. Puis la source aussi, donc, dans cet endroit en Israël où les voix se mêlent. C'est-à-dire que les voix sont les mêmes, c'est-à-dire que le cœur humain est le même. Mais moi-même, quand, par exemple, j'allais à la boucherie cachère industrielle à la porte de la Villette, je m'installais au café et uniquement... Parce qu'il y avait les juifs tunisiennes qui venaient, qui achetaient, qui parlaient en arabe entre elles. Et alors je me mettais là, je ne comprenais pas tout. Mais uniquement, je passais un quart d'heure, 20 minutes, dans ce café à côté de la boucherie industrielle, uniquement pour les entendre parler, raconter des histoires, etc. Un professeur à l'hôpital, je pense, Charles-Nicolas. Ah oui, Habib Ouman. Et je dis Gérard Slama. Il me dit, mais c'est juif ça. Alors j'ai dit, pour plaisanter, pour voir un petit peu ce qu'il avait au fond de lui-même, je lui dis, ah non, faut pas me parler de cette race-là. Et là, il a commencé à s'énerver. Le professeur Ouman, il est petit, tout maigre, mais une voix. Et une voix, il m'a dit, mais comment je t'interdis de parler comme ça des juifs, je t'interdis, tata Jeannette, elle m'a donné le lit de son fils pour que j'étudie. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à Jeannette Slama qui m'a donné le lit de son fils, qui m'a donné à manger, qui m'a logé, qui m'a nourri, qui m'a blanchi. Alors j'ai dit, non, écoutez, j'ai montré ma magaine David, j'ai dit, non, n'aie pas peur, je suis juif. Il est venu dans mes bras en pleurant, et il m'a dit, il ne faut plus refaire des choses comme ça devant moi, etc. Grâce à vous. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous êtes coiffeur ici depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans, oui. Donc, vous avez connu tous les régimes? Vous avez coiffé tout le monde dans tout Tunis? Vous connaissez tout le monde dans le quartier? C'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez comme espoir maintenant? بعيدين على هو كي صار لك الخبز ذكر بتاع الخبز واحد صار خاط البيض على خاطر زادوا على الخبز توت سويت بورقيبه عمل الخطاب قلبوا نرجعوا كيما كنا نرجعوا كيما كنا البلاد ولا تتسابق شي معنا لا صار ولا كان ولا شيء المراه التونسيه والشباب التونسي ثقه كبيره ثقه كبيره وواعين قارين مثقفين ما تخاف كم الجهل قارين سواء بنات ولا أولاد ثقفين قارين واعين يفهموا Hier nous sommes vus
Et vous avez parlé de respect. Comment vous avez gagné le respect? Comment, par le travail, etc. Si vous voulez bien dire quelques mots de ce respect, parce que j'ai trouvé ça admirable, comment vous avez bâti votre vie. Alors, le respect, je dirais, c'est vraiment une... Gagner le respect. Exactement, gagner le respect, c'est une nécessité dans une société tunisienne. Mériter le respect, c'était tout simplement parce que j'ai travaillé sur moi-même pour tout simplement avoir ce regard de fierté au sein de ma famille, au sein de mon entourage, la société en général. J'ai mérité de regarder mes parents dans les yeux. Par rapport à la femme tunisienne, moi je suis... Vous êtes féministe. Féministe à fond. Voilà. Je vous ai précisé ça hier soir. Ouais. Et même, je dirais que la première chose qui compte vraiment pour moi le plus après la révolution et avant la révolution, c'est vraiment que la femme tunisienne, elle sera toujours protégée. Parce que dans ma tête, si la femme, elle est protégée, je suis protégé. Mais il semble que la contrainte donne plus de force. Exact. Ben, c'est pour ça, automatiquement, même les minorités en Tunisie, les juifs, par exemple, tunisiens, la communauté gay... C'est ce que disait Lise Taylor quand on disait « faut plus de gays ». Il dit « alors vous aurez plus de créateurs, plus de coiffeurs, plus de gens pour vous maquiller, plus de gens pour faire que la vie soit belle et soit plus brillante ». Est-ce que j'entends c'est ce que disait Lise Taylor? Oui, c'est très véridique. Parce que s'il y a des couleurs dans cette vie, c'est tout simplement grâce à une diversité derrière. Et ce qui me fait peur aussi, je flippe à l'idée que après la Révolution, les minorités, c'est-à-dire les gays, les juifs, toute cette harmonie dans la société tunisienne, elle n'aura pas le jour pour pouvoir mériter sa place, pour sortir de l'ombre à la lumière. On dit que comme beaucoup de Tunisiens, vous avez envie d'avoir une maison ici. C'est-à-dire que vos racines, c'est la Médina, et puis vous avez envie de bâtir une maison, même si vous avez envie de découvrir le monde, de faire plein de choses. Exactement. Mais vos racines, c'est ici. C'est tout simplement pour dire que je fais partie de ce pays, je suis tunisien après tout. C'est ça. Donc j'aimerais bien avoir un repère et j'aimerais bien par exemple aussi sentir que la Tunisie restera toujours mon refuge. Je suis un œil de la Tunisie, si c'est un visage. Parce que c'est à travers les artistes qu'on arrive à observer. Kasba, où il y avait les manifestations, les plus grandes manifestations de... post-révolution, c'était à la Médina. Ça restera toujours c'est ça. Voilà, c'est le centre. C'est le centre. Et c'est le centre que vous avez choisi. Justement. C'est bien d'être au centre, après tout. Il me semble que quoi qu'on pourrait penser certains, vous êtes un exemple pour la Tunisie. Donc je vous souhaite une belle vie qui a bien commencé là. C'est remarquable. Je vous remercie. Et on est admiratif de ce courage, qui est le même courage que pour les femmes. Regardez que voilà, c'est quelque chose d'assez rare. Les causes de l'époque pour les jeunes, parce que c'est pour ça qu'en fait ils savent pas les grandes causes des années 70, ils ne connaissent pas. Oui, on était anti-impérialistes. Anti-impérialistes. Ça, c'était clair. On était des patriotes et on a gardé ce trait-là même dans le boulot qu'on fait et toute notre vie se résume à peu près à cela. La déliquescence du pouvoir médical commençait avec l'habit, quoique cet homme ait été un grand réformateur. Mais le plus grand réformateur, ça a été le cinquième à la première colonne, Hamoud Habesh. Il a duré assez longtemps, il a été tué très jeune, mais il a régné de 1882, je crois, jusqu'à 1782, jusqu'en 1814. D'accord. C'est lui qui a fait la guerre contre les Américains, la guerre contre Venise, qui avait l'industrie lourde à l'époque, c'était la Chéchia. Celui-là, alors, celui-là, il abolit l'esclavage en 1846, le Besma en 1842. Oui. Et après, on fait le pacte fondamental 1857 et la première constitution dans le monde arabo-musulman en 1861. À telle enseigne que le consul américain en Tunisie écrit des lettres à des dignitaires du Bey pour leur dire racontez-nous comment la libération des esclaves a été bénéfique pour votre pays. Donc ces gens-là, il y avait une partie d'entre eux qui était éclairée.
dans la monarchie, c'était un type de monarchie, oui. Et ça se menait vers, même vers la monarchie parlementaire. Il y avait la constitution en 1861 avec 114 articles où c'était une monarchie parlementaire. Et ils disent carrément, dans, par exemple, dans j'ai le décret, par exemple, l'abolition de l'esclavage en 1846, dans ce décret, ils disent, attendu que l'esprit de la législation, c'est la tendance vers la liberté, déjà en 1846. Et maintenant, on a des gens qui nous apportent des experts étrangers pour dire, voilà, ils vont vous dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, je leur dis, vous avez dans votre législation interne déjà une législation encore en vigueur, parce que l'esclavage a été aboli en 1846, et personne ne peut plus avoir d'esclaves en Tunisie, en vertu de ce décret bellical, qui a valeur de loi, d'ailleurs, dans la hiérarchie des normes juridiques. Et vous avez déjà les attendus libertaires. Et toujours est-il qu'avec le mouvement Nahda, parce que le mouvement Nahda, à l'issue des élections pour la constituante du 23 octobre, a eu 40% des sièges. Et ce mouvement veut se présenter maintenant comme un mouvement modéré, islamiste modéré. Et il dit, et les observateurs d'ailleurs en conviennent, ils disent, comme en Europe après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la démocratie chrétienne qui était refusée auparavant, comme dans le monde musulman avec la Turquie depuis 2002, il y a la démocratie musulmane. Maintenant, pour la première fois dans le monde arabe, il y a un mouvement civil qui va s'ériger en démocratie musulmane en Tunisie, en l'occurrence le mouvement Ennahda. Seulement, les Tunisiens ont peur pour une chose, parce que la carte postale est l'abattoir, c'était le titre. Les dirigeants se présentent sous une forme de carte postale, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde possible. Ils sont en train de lancer des images fortes de confiance, soit aux investisseurs locaux, soit aux tour opérateurs étrangers, soit aux touristes, soit aux communautés, diverses communautés religieuses et ethniques qui viennent en Tunisie, les différentes nationalités. Mais en même temps, au niveau de base, on a des jeunes qui sont dans, ils sont contre les laïcs, ils sont contre les libéraux. En islam, par exemple, prenons l'adultère. Le crime d'adultère n'existe pas. Il existe, mais sa preuve est tellement compliquée. Oui. Il faut quatre témoins et faire passer un fil et tout ça, que c'est impossible, pratiquement. Voilà. Donc les religions veulent davantage protéger l'inviolabilité de la famille ou de l'honneur personnel que... c'est-à-dire, voilà, en quelque sorte, abhorrer le crime, entre guillemets, tout en ayant pitié du criminel. Voilà, c'est ça. Vous voulez vous présenter à quelle radio? Le Sofiane, alors c'est... Oui, je suis chroniqueur sur cette radio qui s'appelle Shams FM. C'est la deuxième radio en Tunisie. Aïe, khalatik rasmi, yani, khalatik kunar jib lik shakhsiya en exclusivité. Khalatik Sayed Mansouf El Marzouki en exclusivité à la Shams FM, fi hiwar. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça, vous apportez des dépêches avec des. Vous prenez des. Alors moi je capte tout mot. Déjà qui sort du contexte, oui, et je capte la situation, le petit café, il est bu avec qui, qui fume avec qui aussi. C'est un travail énorme, parce que comment vous faites? Vous prenez chez quoi des petits bouts comme ça Oui, il y a 217 députés, alors oui. Députés, on va dire. Députés, c'est ça. Et nous, on essaie toujours d'avoir l'info de façon décalée. Et la presse a été créée quand? Le journal En 36. En 36. La presse a été créée en 1936, elle a été créée par un juif tunisien qui s'appelait Henri Smadja, qui était un véritable toqué de journalisme. Modeste France, il a dit à Bourguiba, moi je veux la paix. Bourguiba a dit la paix des braves, d'accord. Nous on est prêts à remettre les armes, parce que Bourguiba faisait une double politique. Il était politicien en même temps, il avait une relation très étroite avec le mouvement armé. Il a dit d'accord, on fait la paix des braves, on va remettre les armes à condition que vous nous donniez quelque chose. Mendès avait dit, d'accord, on donne l'autonomie interne. Bourguiba, jusqu'à sa mort, il a toujours gardé la photo de Mendès France sur son bureau, parce qu'il a toujours eu, pour cet homme, une admiration, une grande admiration. Et donc, c'était chez Smadja que ça s'est passé. Mais c'est important, Smadja, parce qu'on voit les Juifs tunisiens, l'importance des Juifs tunisiens dans la Tunis, quoi, dans la Tunisie. Ils sont pas partis vraiment du En Tunisie, du cœur, on est tunisiens, voilà. Bien sûr, nous sommes un pays arabe et musulman. Nous sommes aussi un pays africain, nous avons une dimension aussi berbère, sud-méditerranée et tout ça. Les Juifs tunisiens sont des Tunisiens. Les snipers étaient là. Oui, il y avait des physionomistes qui venaient, qui fixaient certaines personnes, qui les visaient pratiquement. Il y avait des snipers qui étaient postés, parce que nous, on pouvait les voir. On avait des collègues qui pouvaient les voir, même avec des jumelles,
qui était posté parce que là, ce n'était pas encore fini. C'était encore en construction. Et il passait, mais c'était une atmosphère de terreur. Les rues étaient vides, l'atmosphère était lourde, il n'y avait que des infos de mort, tout ça. Al Jazeera fonctionnait 24 sur 24, les portables, tout ça. Facebook, donc il faut se mettre dans la peau de quelqu'un de l'époque. C'était une atmosphère quand même assez effrayante, hein, surtout la dernière semaine. Comme j'ai dit, le 8, le 9, il y a eu une cinquantaine de morts en un week-end et toute la Tunisie s'est levée comme un seul homme à l'époque. J'avais dit basta. Il faut donner l'occasion aux autres. Voilà, il faut donner la chance, l'espoir. Et pour les découvrir, ils n'ont que 4 ans. Oui. Donc, si c'est la vraie démocratie, ils n'auront que 4 ans. On va les essayer. S'ils sont bien, eh ben, on les en. Sinon, ça sera dégage. Ça dégage, voilà. c'est tellement facile, alors. Hein. Croyez-moi, ils sont très conscients. Oui. Que le Tunisien n'est plus le Tunisien d'autrefois. Il a vraiment, il est mûr. Oui, oui, on va. Il est mûr. On a compris. Moi, j'étais étonnée, épatée, stupéfaite, joyeuse d'avoir cette masse de Tunisiens, de jeunes qui ont voulu que tout change. Oui, c'est extraordinaire. Eh bien, bravo pour nos jeunes. Smart.